Ah. Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo détente, une vidéo plaisir parce qu'apparemment vous avez aimé les deux petites vidéos détentes que j'avais faites. Alors bon, normalement je ne le faisais pas, mais j'ai quand même dit, allez, on va faire 203. On va faire 203 et j'ai repris aujourd'hui des petites gratouilles. Alors, je vous explique pourquoi. Oui, excusez-moi, c'est vidéo détente, hein, c'est tranquille ou tranquille. On prend son temps, cigarette, café, hein, à la vôtre, santé. Oui, c'est du café, hein, c'est pas, ce n'est pas du jus de pomme. Bref, je vous explique. En fait, pour vous raconter un petit peu pourquoi j'ai voulu le faire, alors c'était pas du tout prévu à la base, hein. Mais en fait, hier soir, puisque nous ici en Grèce, nous sommes déconfinés depuis le 24 avril, vous le savez, et donc on a fêté avec des amis, on a fêté l'anniversaire, entre guillemets, du premier mois de déconfinement. Donc ce qui fait que hier, on a été boire un verre ensemble dans un petit troquet, on a bu notre petite mousse tranquille ou tranquille. Puis on a fait un jeu tous ensemble. Alors c'était un jeu, donc on était quatre, et le jeu coûtait 10 pourris. Donc chacun a misé 2 pourris 50 pour faire 10 pourris. On a dit on va faire un truc, on va faire un jeu à 10 pourris. Et on a gagné à ce jeu-là 50 pourris. Donc, comme on a gagné 50 pourris et que nous étions 4, donc ça faisait, donc on a fait 10 pourris par personne, ça faisait 40, et on a gardé les 10 pourris, bon, on n'a pas chipoté, les 10 pourris servaient à payer la tournée des bières. On a gagné 50 pourris, hein, donc j'ai misé 2,50, j'ai gagné 10, donc je ne vais pas me plaindre. Et donc, on continue, donc nous, tout contents, on continue à discuter, la soirée, tout ça. Et une heure plus tard, on refait le même jeu, donc exactement le même jeu, la même somme, donc 10 pourris. Et là, on rebelote et on regagne, vous me croirez si vous voulez, 50 pourris. Donc, pareil, on repartage, donc ça faisait 10 pourris chacun. Donc moi, dans le coup, pour 5 pourris de payer, j'ai eu 20 pourris. Alors je me suis dit, j'avais parlé avec mon pote qui lui aussi est youtubeur ici en Grèce, et je lui ai dit, écoute, moi en ce moment sur ma chaîne, je lui ai dit, j'ai fait deux vidéos avec des petites gratouilles, comme ça a plu, c'est sympa, ça détend un petit peu. Parce que je lui ai expliqué, en France, vous êtes encore confiné chez vous, il faut bien s'occuper comme on peut, hein, malheureusement. Donc je lui explique et tout, puis il me dit, bon, mais écoute, on fait un truc, il me dit, t'en achètes 10 et j'en achète 10. Bon, voilà, puisque bon, moi j'ai gagné 20 pourris, j'ai dit, bah, allez, je peux me faire plaisir, j'achète 10 pourris. Pour 10 pourris, je me garde les 10 pourris pour moi. Donc lui a fait pareil. Et le but qu'on s'est donné, comme ça, donc en discutant, lui a décidé donc de prendre, d'acheter les 10 pourris, et il a décidé donc de faire comme moi et de poster ses vidéos gratouilles sur sa chaîne YouTube. Alors, évidemment, comme c'est pas un Français que c'est un Grec, je ne vais pas vous donner le lien de la chaîne aujourd'hui parce que de toute façon, même si vous y allez, vous ne risquez pas de comprendre grand-chose. Hein. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous sachent parler le grec et comprennent bien le grec. Bon, maintenant, si vous la voulez vraiment, je vous donnerai le lien de sa chaîne en description. Il n'y a aucun souci parce que lui aussi, c'est un youtubeur qui parle. Lui aussi, qui fait partie justement du mouvement de stop au pourri et stop à l'Europe. Donc lui fait partie du mouvement du retour au drachme, justement. Et de temps en temps, lui aussi fait des vidéos détente sur sa chaîne. Donc, pour info, je suis abonné à sa chaîne et il est abonné à la mienne. Bref, le reste, on s'en fout. Donc c'était juste pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi donc j'avais acheté ces 10 petites gratouilles. Alors maintenant, eh bien écoutez, on va faire comme le copain, comme les copains. Il y en a 10. D'accord? Je vais bien vous les montrer, que vous les voyez bien en cam. Hop. Je sais pas si vous avez. Ouais, là vous l'avez. Ouais, voilà. Donc, je récapitule. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, j'ai compté jusqu'à 10. Je suis un pro. Yeah. Bref, allez. C'est parti, donc je découpe le premier jeu. Donc, vous connaissez déjà le principe, hein, on dit jamais 203. Hein. Si la colonne de gauche est supérieure à la colonne de droite, on gagne le montant associé. Et si on trouve donc une petite carte avec le pic à la place des dés, caché dans les dés, c'est 10 pourris instantanés. Alors, cette fois-ci, j'ai fait un gros investissement pour gratouiller. Puisque j'ai pris 20 centimes de pourri, soit la moitié de mon salaire mensuel. Donc, on va essayer de gratouiller tranquille. Et on va espérer, bon, pour la belle, hein, d'être plus riche que les deux premières fois, c'est-à-dire avoir un peu plus que deux pourris. Voilà. Et si on a deux pourris, ben c'est déjà pas mal. Allez, on est parti avec le premier ticket. Je gratouille la première colonne, comme d'habitude, je ne dis rien, je gratte, je me tais. Voilà, donc 3, 2, 5 et 4. Allez, donc je gratte, je ne dis rien parce que je ne veux pas vous spoiler. Que celui-ci va aller à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte pique et que les chiffres de la colonne de gauche sont plus faibles que ceux de la colonne de droite. Donc autrement dit, le 3 est plus faible que le 5, le 2 est plus faible que le 6, le 5 est plus faible que le 6 et le 4 est plus faible que le 5. Donc celui-ci va aller nourrir la poubelle. Donc on fait poubelle, poubelle. La poubelle, elle est contente. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir. J'ai un pote, il en a acheté 10, il n'a rien eu dessus. Alors, pas me plaindre hein, quand t'as deux pourris sur les 10. Allez, c'est parti, deuxième ticket. Pour l'instant, il n'y a pas, hein, il n'y a pas grosse urgence. Deuxième ticket. Allez, 5, 3, 5, 4. Il n'y a toujours pas de carte pique. Hein. Tout ça en... au passage. Ah, la première ligne est gagnante. La première ligne est gagnante. Alors, combien est-ce que, d'après vous, j'aurais pu gagner? Je mets ce ticket de côté et on gratte à la fin. D'accord? Parce que celui-ci est gagnant. Pour laisser un peu de suspense. Alors moi, même si je le sais déjà, je ne vais pas vous le dire parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est le troisième ticket. Allez, on gratouille un petit peu. Parce que j'aime bien que cette vidéo détente soit détente, mais bon, j'ai pas envie non plus qu'elle vous dure des heures et des heures. Voilà, donc là, je vous donne pas grand espoir. Je vous rappelle que même si je gagnais le gros lot, de toute façon, vous ne pourrez rien en faire parce que vous êtes en France, je suis en Grèce. Et l'argent, n'est pas, même si c'est le pourri, je veux dire, le ticket en France, ça, c'est pas valable. Hein, donc, vous pouvez pas faire valider. Donc 3, 5, 2, 6, 1, 5 et 2, 3, vous avez compris. C'est-à-dire que celui-ci, est pour la poubelle. Petite pause café. C'est pour porter bonheur. Ouais. J'ai même pris la cigarette marron aujourd'hui, c'est pour faire l'extra, vous voyez, c'était pour faire vraiment le 203, la fin, la finale, le feu d'artifice. Allez, donc celui-ci c'est le cinquième, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, il m'en reste 7 à gratter. Il m'en reste 7 à gratter, donc pour le moment un gagnant sur 3. D'accord? Parce que je vous rappelle que les deux sont ici, qui vont nourrir la poubelle. Et le gagnant, il est ici. Donc on grattera la fin, hein, pour savoir combien il y a. Allez, c'est parti, je continue de gratouiller. Et on gratouille, on gratouille, on gratouille, on gratouille.
Voilà, je rappelle que j'ai dépensé la moitié de mon salaire mensuel dans les jeux, hein, cette fois-ci. Donc ce serait bien que je puisse récupérer l'autre moitié. Bon, je l'ai déjà récupéré au minimum de toute façon, mais bon. Vous savez déjà, connaissez le résultat, c'est pour la poubelle. C'est pour la poubelle. Voilà, bon, 2, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 3, 4, 4, 6, ouais, c'est pour la poubelle. Voilà, on continue. Gratter 4. Tranquille ou tranquille, hein? On ne se précipite pas aujourd'hui, hein? C'est tranquille ou tranquille. Bon, allez, on continue la petite gratouille. Oh, n'empêche, on parle, on gratouille, mais ça fait déjà 11 minutes qu'on est en train de gratouiller. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait que j'accélère un peu, hein. Alors, 4-1, 5-3, ça vous parle? 4-1, 5-3, alors, gagnant ou perdant, gagnant ou perdant, gagnant ou perdant. Je ne dis rien, pour ça que Mais celui-ci, il va aller à la poubelle aussi. Il va nourrir la poubelle. Parce que 4, 5, 1, 2, 5, 6 et 3, 6, voilà. Il y a toujours pas de carte pique, hein. Entre parenthèses. Je me demande si ça existe, ça doit être du fake ce truc-là. Ça doit être du fake. Allez, je continue de gratouiller. Ah! Alors, pourquoi je dis A? Parce que d'avance, vous voyez, il y a un 6. Donc, ça veut dire que celui-ci est forcément gagnant. Donc, on va vérifier d'abord si le 5, le 4 et le 1. Bon, le 1, le 1, on sait d'avance. Bon, celui-ci est perdant. Donc, le 1 face au 3, il est perdant. On va gratouiller le 4. On peut gratter le 6 avec parce que de toute façon c'est d'avance que c'est. Voilà. Alors j'ai gratté le 6, vous voyez, 6-2 donc il est gagnant, 4-5 donc il est perdant, mais 5, première ligne, gagnant ou perdant? Eh bien il est perdant. Par contre, en revanche, ici il y a le 6 face au 2. Donc celui-ci est gagnant. Combien? On regarde à la fin, je laisse le suspense. Allez, on continue. Donc au minimum, vu qu'on a déjà deux tickets gagnants, donc au minimum, on a moins deux pourris. C'est déjà une bonne chose. Donc pour le moment, égalité de partout. Donc, est-ce que ma vie va changer? Je ne sais pas si ma vie va changer. Donc, en tout cas, on continue de gratouiller. Avec 5, 4, 1, 3. Donc, on va continuer de gratouiller. Cinq, 6, 4, 6, 1, 4 et 3, 5. Cela veut dire que ça va à la poubelle. Bien, tu suis. Je vérifie au cas où, hein, parce que tu me perturbes là. Hein. 5, 6, 4, 6, 1, 4, 3, 5. Oui, ça va à la poubelle. Je vérifie quand même au cas où, parce que des fois. Bon, vous pourrez. Après, en général, je ne vous le cache pas, je revérifie hors caméra pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et si auquel cas je fais une erreur, je refais une petite vidéo pour vous montrer quelle erreur j'avais faite. Quelle était l'erreur? Bon, il reste trois petites gratouilles. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Vous vous rendez compte? 15 minutes pour gratouiller 10 merdouilles. Allez, je ne dis rien. Je vous laisse réfléchir. 4, 5, 2, 1. Pardon, 4, 5, 2, 4. Excusez-moi. Pas mal, hein, pas mal. Mais si c'est gagnant, ça pourrait être encore mieux, non? Qu'en pensez-vous, hein? Je vous laisse deviner la suite. C'est encore un qui va à la poubelle. 4, 5, 5, 6, 2, 5, 4, 6. Ah,
Ben, il va nourrir la poubelle. Elle est contente, ta poubelle, hein? Hein? C'est encore Tukerizaria qui va être content. Oui, Tukerizaria, c'est ça, hein? C'est ce qui est écrit ici, Tukerizaria. Ceux qui sont contents. Donc, il reste les deux tickets de l'espoir, qui, donc, je les mets là, qui vont révéler est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est moins bien. Enfin, ça peut pas être moins bien, déjà, c'est pareil que les deux premières manches. Mais est-ce que cela pourrait être mieux? Une bonne question. Alors, 2, 4, 4, 3. Pas grand espoir, hein. T'as pas grand espoir, moi non plus. T'as pas grand espoir? Eh bien, je vais te montrer que pour une fois, ça valait le coup. Regardez bien, ici même, voyez la petite carte de l'As. Donc, la petite carte ici de l'As, qui est donc ici sur la première ligne, signifie donc que j'ai gagné 10 pourris. J'ai donc gagné, puisque c'est écrit ici, vous gagnez, bon, je vais vous le traduire en français en fait, hein, c'est écrit que si vous découvrez la petite carte avec l'As à la place des dés, vous gagnez 10 pourris instantanés. Donc, je suis content, puisque j'ai gagné 10 pourris. En ce moment, je suis chanceux. Il va falloir que je joue au loto local. Donc, 10 pourris, ça c'est acquis. Je suis remboursé. Que du bonheur. Donc ça, je peux vous le confirmer. Voilà. C'est bien écrit, 10 pourris. Donc, ouais, c'est confirmé. Voilà, j'ai bien gagné 10 pourris. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je continue avec le dernier. Voilà. On ne sait jamais. Le dernier de l'espoir, vous vous souvenez de la dernière vidéo, c'était sur le dernier que j'ai gagné quelque chose et qui a remonté les 9 autres. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et 2, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 6. Celui-ci donc pour la poubelle. Voilà. Donc, bah écoutez, les petites gratouilles sont terminées. Nous sommes maintenant à peu près à 20 minutes de vidéo. C'est parfait. Donc, récapitulatif, donc, les 10 pourris, ici, qui sont donc acquis. Donc, sachant que, voilà, ça c'est fait. Maintenant, sur le premier jeu, il y avait une ligne gagnante. Donc, il y avait le 6, ici, le 6 face au 2, d'accord. Le 6 face au 2, donc, combien? Oh, combien? Non, ça va changer ma vie tout ça. Attendez, je vais bien vous le gratouiller, comme ça vous verrez bien aussi. Ça va changer ma vie. Un pourri. Et donc, il restait la première ligne ici, le 5 gagnant face au 4, ici. Donc... Oh, quelle somme extraordinaire! Oh, je m'y attendais pas, dis donc. Hein. Oh, un pourri! Ça va changer ma vie! Ça va changer ma vie! Bon, allez, total. 1 plus 1 est égal à 2, plus 10 est égal à 12. Voilà. Bon, mais je crois qu'aujourd'hui, j'avais bien fait de faire indirectement cette. Petite revanche finale, puisqu'on ne dit jamais 203, hein, c'est le proverbe qui le dit, le café. Et comme en ce moment je pense que je dois avoir le... Excusez-moi de l'expression, mais comme on dit, le cul bordé de nouilles,
Donc je crois qu'après cette vidéo, je vais aller faire un loto, je suis joué sans pourri, et quand je vais revenir avec le sourire hypocrite jusqu'aux oreilles en vous disant « Les copains, j'ai gagné 1 million !» Non, non, mais même si je gagnais 1 million, enfin si, je le dirais, peut-être je vous montrerai le ticket, il n'y a pas de souci, parce que j'ai rien à cacher. Mais rassurez-vous, je saurai de quoi en faire. Je saurai quoi en faire. À commencer peut-être, enfin, je mets au conditionnel, à commencer peut-être pour financer la publication de mon futur bouquin, puisque je suis en train de réécrire un bouquin petit à petit, mais je le fais à tête reposée, c'est-à-dire que avant j'essayais de le faire, d'écrire au plus vite pour pouvoir arriver à publier au plus vite. Et bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très bonne solution, certes, mais surtout, c'est parce que je voulais vraiment écrire ce que je ressentais. Et là, c'est écrit qu'à moitié ou aux trois quarts. Là, je prends bien le temps d'écrire mon histoire, ce que je ressens, enfin, ce que je ressens par rapport à mes personnages, par rapport à ce que j'écris. Et c'est pour ça que je fais un, deux chapitres de temps en temps pour vraiment, pour pouvoir vraiment écrire ce que j'ai envie d'écrire, sachant que je fais mes gribouillis, mes petites notes de préparation à côté, mes idées, ce qui va arriver, etc. et etc. Donc, je vous en parlerai vraiment plus en détail, plus précisément, on va dire, lorsque tout sera fini, d'accord. Puisque j'avais, comme je vous avais dit dans une vidéo, je suis en train d'écrire la version finale. Seulement, en écrivant la version finale, il a fallu, c'était final avec un petit F en fait, parce que l'histoire tenait le coup, mais il manquait des précisions. Je me suis rendu compte qu'en faisant de la relecture, qu'il manquait quelques précisions à ajouter, des moments de temps, etc. pour arriver à mieux comprendre la situation. Parce que des fois, on arrivait à comprendre la situation, mais le lecteur pouvait avoir des doutes par rapport à certaines choses. Là, maintenant, j'ai dû reprendre pour faire dans un temps précis, pour que le lecteur soit vraiment, sache vraiment à quel endroit, quel lieu, quel moment, quel jour, quelle date, quelle heure, etc. Bon, pas non plus aussi détaillé, mais c'est pour vous expliquer, de façon à ce qu'après la personne qui va lire mon histoire puisse prendre ses propres repères. Voilà, bon mais écoutez, je crois que j'ai tout dit, j'espère que cette petite vidéo revanche, qui n'était pas prévue, mais que j'ai eu plaisir quand même à vous faire, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous savez ce que vous avez à faire, vous abonnez à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, vous mettez les pouces bleus. Si ce n'est pas le cas, donc vous abonnez à la chaîne et vous appuyez sur la petite clochette de notification. Bling, 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 bling. La fée clochette qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Donc, tu recevras tout en temps normal. Et puis, une fois que vous êtes abonné, vous appuyez sur la petite clochette de notification. Vous mettez évidemment des pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Même jusqu'à sur Zorg là-bas, voilà, ils seront contents les extraterrestres. Je vous invite également, puisque on parle de vidéos extraterrestres, à aller voir mon ancienne vidéo si ça peut vous intéresser. J'avais répondu à une question, quelques personnes qui avaient posé cette question, ton avis, sommes-nous seuls dans l'univers? Donc j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est celle qui est juste avant celle-ci. Donc tu descends dans ma chaîne et tu descends, tu verras, il y a une vidéo qui s'appelle « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Je donne mon avis là-dessus. Voilà. Tout simplement, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, plein de Z et de X. Soyez heureux et puis protégez-vous, protégez vos proches, masques, gants, etc. Je le dis et je le répète à chaque fois parce que c'est important. Mais surtout, pensez à vous, pensez à vos proches. Protégez-vous, plein de bonnes choses, que du bonheur. Plein de Z, plein de X, de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, salut!